Yo les frérots, donc c'est reparti maintenant tous les mercredis du mois, donc chaque mois, tous les mercredis, il y aura un tirage au sort, il y aura 50 000 crédits à gagner pour participer, c'est tout simple, t'as juste à liker, t'abonner et partager, et bien sûr mettre en commentaire, je participe pour que je sache que tu as participé, et voilà, et tout ça, et c'est bon, tu participes, il y a 50 000 crédits à gagner, donc voilà, sur ce les gars, allez, bonne vidéo. Yo les frérots, donc juste avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite horloge pour notifier dès que je fais une vidéo, c'est tout simple et c'est très rapide. Eh bien salut tout le monde, c'est MousseBov13. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 18. Donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat-revente. Donc une technique franchement pour tous les budgets. Bon après il faut au moins aller 2000 crédits franchement. Parce que si vous avez 200, bon, vous pouvez pas faire d'achat-revente tout simplement. Mais donc voilà, parce que tout simplement elle est sortie, les nouveaux DCE gros match. Donc c'est toujours la même tech chaque semaine. Je vais pas vous apprendre grand chose. Vous regardez les matchs, là il y a Naples Juve, Porto Benfica, Aberen Glow, Besiktas et Galatasaray. Donc tout simplement, va falloir faire Tech 59, en cher, ce que vous voulez, ce qui vous va le mieux pour vous. Donc si vous n'avez pas de connexion, vous avez une cour rainée, faites de la tech, faites aux enchères, faites pas la Tech 59. Donc alors, c'est tout simple, vous prenez chaque équipe et vous allez faire la Tech 59. Donc là, vous mettez Rangers or. Vous regardez combien ça coûte, donc là ça coûte 3500. Donc ce que vous faites, vous mettez ou tout simplement les amis 3000 aux enchères. Et là vous les prenez tous aux enchères, vous allez en gagner allez peut-être 2 sur 10, mais vous allez en gagner. C'est ça, si vous êtes, si franchement vous n'arrivez pas du tout en achat-revente, c'est des techs comme ça qu'il faut faire. Ou sinon je vous invite à voir l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie. Donc c'est franchement la meilleure tech pour n'importe qui. Donc je vous le dis franchement, pour moi c'est l'une des meilleures techs du jeu tout simplement. Donc bref, le sujet n'en est pas là. Donc alors la deuxième solution, vous mettez 15 millions en prix maximum, vous mettez 3000 en maximum HMEDIA. Et là tout simplement à chaque fois vous allez descendre, 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 descendre. Troisième solution tout simplement, vous regardez combien ça coûte au minimum. Là vous allez sur le joueur, le dernier de la liste. Vous cliquez sur le joueur, vous descendez sur HMEDIA. Et à chaque fois vous faites carré rond jusqu'à qu'il y en ait un d'intéressant qui tombe. Voilà, lui il est intéressant mais malheureusement j'ai glissé, mais c'est pas forcément grave parce que dans tous les cas, voilà, je m'en fous un peu de faire cette tech. Je vais pas vous le cacher parce que, voilà, pour ceux qui m'ont suivi, hier j'ai investi tout ça, c'est pour ça que j'ai seulement 60 000 crédits parce que j'ai énormément investi. J'ai investi pour 3 400 000, donc là c'est pareil à Beren. Donc là je regarde vite fait si les bronzes et l'argent coûtent le même prix. Donc, ouais, écoute, ouais, ça va, ça coûte le même prix. Donc, où vous mettez. Donc attendez, on regarde vite fait. Ouais, c'est bon. Donc où vous mettez niveau aucun et vous mettez 600 et là vous faites la tech 59, c'est comme vous voulez. Sinon, vous pouvez également les prendre aux enchères. Donc voilà, vous descendez, ça tombe de temps en temps. Mais ça, voilà, ça tombe plutôt souvent parce que les gens savent de temps en temps pas que le DCE est sorti. Donc voilà, vous les prenez tout simplement aux enchères. Donc moi, je vais en prendre que deux. C'est obligé, je vais me faire surenchérir parce qu'il faut vraiment essayer de remplir son objectif transfert au moins 30-40 pour essayer d'en gagner plutôt pas mal. Donc là c'est pareil, Calcio, Juventus, vous regardez combien coûte en niveau or. Et donc tout simplement, une fois que vous savez combien ça coûte en or, vous baissez par exemple de 300, enfin des bénéfices que vous voulez gagner, baissez environ 200-300 pour faire un peu de bénéfices, mais pas être trop gourmand sinon vous n'allez pas gagner beaucoup. Et ensuite tout simplement, ou vous faites la Tech 59 ou vous les prenez aux enchères. Donc franchement c'est plutôt Juventus Naples, donc ce DCE où ça tombe beaucoup. Donc regardez, ça tombe à chaque fois. Donc là hop, on recherche direct, ça tombe. Donc ouais, c'est vrai, j'ai ma liste pleine. Donc du coup je peux pas les acheter. Donc voilà, les autres je me suis fait surenchérir. Donc on va vite fait effacer quelques joueurs de la liste. Donc comme vous voyez, regardez, il y a que des Sané. Donc voilà, c'est mon investissement, voilà, vous l'avez vu. Mais bon voilà, on s'en fout totalement. Donc hop, on les supprime. Donc voilà, je me suis fait surenchérir. Je vous l'avais dit, j'en ai investi que deux. Enfin j'en ai enchaîné que deux, donc c'est sûr que j'allais me faire surenchérir. Donc là c'est pareil, vous faites 900. Donc bon, je vais me faire surenchérir, je suis sûr, c'est obligé parce que j'en prends seulement deux. Donc du coup les gens vont me surenchérir, mais si vous en prenez beaucoup, vous avez beaucoup plus de chances de les avoir. Et donc là c'est pareil, vous allez en lecture. Donc vous faites ça avec tous les DCE. Donc attention, faites tous les équipes dans le DCE gros match. Mais attention, contrôlez les prix. Si par exemple vous voyez qu'en niveau or les prix ont augmenté à 2000, vous voilà, vous a comment dire, vous ajustez, vous les prenez par exemple à 1600,
si vous voyez que les joueurs ont chuté, je sais pas, à 600, non, c'est trop. Si vous voyez que les, ouais, si vous voyez que les joueurs ont chuté à 600, vous allez prendre à 400 aux enchères ou 400 en achat immédiat, vous voyez. Il faut vraiment ajuster, donc si ils ont baissé à 600, vous amusez pas encore à les prendre à 800. Franchement, ça sert strictement à rien. Donc si vous voyez qu'il y en a beaucoup à 600, que par exemple il reste 40 minutes et tout, ça veut dire qu'il va falloir le revendre à 1650. Et donc il faut faire ça à chaque fois. Il faut regarder si par exemple il y a 3 pages à 600, pas de pages à 1650, il va falloir revendre à 1650. Donc acheter à 450 maximum ou 400, 350, bref, vous avez compris. Donc voilà, c'était une cheat tech. Franchement, voilà, c'est pas une tech incroyable. Vous allez gagner 1 million de crédits ou quoi, mais c'est, voilà, si vous n'avez pas de tech, vous savez pas quoi faire en achat-revente, faites cette tech. Donc demain, je vous sors une bonne petite vidéo sur une bonne grosse tech d'achat-revente, parce que là, on reprend le Black Friday. C'est bon, à dégager, il y en a marre, c'est fini. Donc maintenant, on peut faire bien l'achat-revente. Donc voilà les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, ça ferait super plaisir. Donc vous êtes bientôt 5000 abonnés, donc c'est un truc de fou. À peine hier on a atteint 4700, on est déjà bientôt à 4900, donc ça va super vite. Donc franchement, merci à vous. Donc n'hésitez pas à participer au tirage ce soir. Vous avez juste à liker, vous abonner à la chaîne et mettre je participe. Et c'est pas ce mercredi, c'est mercredi prochain, il y a 50 000 crédits à gagner. Donc peut-être si on atteint les 5 000 abonnés avant, je vous ferai peut-être 10 gagnants à 10 000. Donc je sais pas, je verrai. Donc voilà, allez sur ce, ciao tout le monde.